Salut YouTube, c'est la fin. Est-ce qu'on passe encore un tour pour que Marcus soit à fond? Tout le monde à fond ou on y va? Ouais, mais si Kate ou n'importe lequel autre va dans la truc, ça reste compliqué. Hein. Allons-y. Allô? The more demands patience. Oh! Oh, elle y était! Oh, elle y était! Oh, le game over! Oh, le... Ça du game over! Oh, l'enfer! Ah, l'armée est moins solide. Oh, on a pris des unités impériales! Et quelle unité! Je vois qu'on a du goût. Oh, il n'y a pas tous les ours. Nice! C'est parti. Bon, par contre, là, faut dégommer le petit Grom. Hein. Petit Grom, ça fait très, 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 très mal aux ogres. Donc là, il y a un peu de tout. Bon, par contre, il n'y a pas de front. Il n'y a pas de front line. Il y a beaucoup de caves. Mais c'est des chevaliers du... Bah, attention que chevalier du Griffon, la Légion du Griffon, ça fait mal quand même sur les ogres. Hein. Même sur les ventres durs. L'idéal, ce serait que les broyeurs parviennent à atteindre le petit Grom, hein. La cave va se faire découper par les crash plombs s'ils arrivent, s'ils s'approchent. Comment je tue le petit Grom? Si les broyeurs arrivent pas à s'en approcher, ça va être compliqué. Broyeur contre Légion du Griffon, normalement il défonce la Légion du Griffon. Ok, déjà il est là. Les lance-ferrailles sont déjà en train de tirer. Allez vous planquer dans la forêt, on sait jamais. Oh oui! Oh ouais, ils sont en train de passer par là. Oh la vache, ça c'est trop bien. Vite! Vite! Les pâquerettes! Attends, vas-y, vas-y. Vite, 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 vite! Faut balancer ça. Oh là là. Oh ça, plus ça, ça fait... Un peu... Merde, trop... Non, si, c'est bon. Oh, les dégâts! Ah! Ouh, ça a failli mal tourner pour eux. Ok, les... Master Rock de l'autre côté. Reculez, c'est pas bon. Voice of the moon. Manchum, reconcile. Soft in entry. Me. Iron God. Pas grand chose ça en vrai. Ok, ils arrivent. Tant pis, on les défonce. Aïe aïe aïe, ils me font mal avec leur truc. Je vais me décaler ici. Oh les chars. Ok, sortez de là. Oh, le petit Grom, il est trop bien placé là.
Allez, allez, c'est votre boulot, ça, c'est votre boulot. Ils seront protégés par la forêt en plus. Ils sont sérieux là, ces chars de malheur? Ok, ça tente de fuir dans la forêt là. Faut le camp, faut le camp, faut le camp. Laisse-les rester statiques. Ok. Voilà. Voilà. Non, non, laisse tomber, il est trop loin. Canon à répétition. Ah bon, qu'est-ce qu'ils font là? Mais c'est pas vrai! Mais il rend dingue, hein, lui! On va aller dans la forêt. Bon, j'aurais pas été capable d'aller chercher la batterie tonnerre de feu, du coup. Hein. Aïe, aïe, aïe. Help Stitch live! Dead, dead! Iron Fists! Crusher! Biggest in the tribe! Ah, il y avait aussi des arquebusiers de l'Empire, il y avait pas. C'est pas des Strepti. Master Predator! Crushers! Ok, dans la forêt, c'est un peu chiant pour des ogres, mais par contre je suis protégé de la batterie tonnerre de feu, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Ok, les chariots ont été détruits. Ça fuit, je pense que tout va fuir là. Non, Katarina. C'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. Non, Katarina. Tu fais tes besoins dans la litière. Elle est... Ah oui, si, elle est... Okay. Elle est en fuite. C'est bon. Non, ne monte pas sur la table. Tu n'as pas le droit de lécher le beurre comme ça. Bon, ça va, il leur reste rien si je dois les affronter une deuxième fois. Ok, ok. Bon, j'ai pas pris tant de pertes que ça. Juste dommage que j'ai pas pu contourner avec les broyeurs. Ils ont fait... leur batterie tonnerre de feu a dû faire du dégât quand même. Ah, 1800, ça va encore. Ça va encore. Est-ce que je dois l'affronter une deuxième fois? Je pense que... Ah non. C'est qui, Karak Ziflin? Ah d'accord, l'Ostland qui a traversé la map pour venir chez moi. Il a traversé les failles? Non. Mais non, il peut pas. Rébellion imminente. On s'en fout! Pourquoi pas? Je veux pas faire ça, si? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas, en vrai? Remettre quand même des troupes en bon état. Là, cela dit, de toute façon, j'ai deux camps, tout se passe bien. Si, allez, je prends un tour pour régène. J'espère juste qu'il n'y a pas le prince démon qui va se pointer. Mais il avait l'air un peu en PLS. Kislev, c'était vraiment la faction qui était la plus à même de venir chercher, de venir faire la bataille finale, je pense. Avec leurs 10 milliards de colonies, eux, ils devaient être bien, quoi. Au niveau puissance militaire, il devait être vraiment bien. Donc il pouvait se permettre ça. Ok. Et merde. Ah, Katé maintenant. Non. Non. Ah, la victoire qui s'en va. Qui s'éloigne. Attends. Attends, attends, attends. Et si je fais ça, il va aller où? Je pourrais réattaquer de toute façon. Si je fais la fuite, il va aller où? Oh, c'est du génie!
Je suis sorti de sa zone d'influence. Paf! Oh, je passe devant comme ça. Empires forged, demons slain. The realm of chaos endured and mastered. The time has come to fulfill the final part of the pact. The spirits imprisoned in the Tome of Fates, now untethered. They combine into a single light, casting a shadow as they journey to the forge. Where shadows fall, we shall step. A bridge revealed to the Forge of Souls. Belakor is on the verge of godhood, but he has not ascended yet. What he started, we will finish. Destroy him and claim the power of the Bear God. Et cette campagne, elle a aucun sens de bout en bout. De toute façon, c'est parti. C'est la bataille finale. On est dans la bataille finale de la campagne la plus bordélique que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Que j'ai jamais fait tout court d'ailleurs. C'est un bordel incroyable. I sit upon the precipice of godhood. You have the gore. Ce matin encore, personne n'y croyait. Non, mais j'avoue. J'avoue, moi non plus. Bordélique, c'est poli encore. Ah oui, non mais c'est cette campagne n'a aucun sens. Ça a été une... C'est juste n'importe quoi. Gagner comme ça, c'est déjà... De toute façon, déjà rien que le fait de pouvoir gagner en... Avec zéro territoire, mais juste parce que j'ai bourré les âmes... Ça, déjà là, la logique, on l'a abandonné. Hein. Donc après, ma foi. Alors, notre ami Belakor. Alors attention, sur cette bataille-là, il y a du monde. Hein. On va utiliser les crash plombs pour prendre... Oh oui, et il va y avoir plein de broyeurs d'âmes. Et les broyeurs d'âmes, le meilleur truc que j'ai pour les contrer, c'est les crash plombs. Ça va être compliqué ça. Les cibles uniques, c'est pas leur truc, hein. Les ogres. Non, non, restez là. Restez là, restez là. Ouais, on va laisser faire les crash plans. Ah, on cligne des yeux, ils sont plus là. Hein. Je vais laisser les broyeurs ici, de toute façon ils seront mieux dans une plaine pour pouvoir taper ce qui arrivera derrière. J'hésiterai même à laisser les Mastorok, mais à mon avis ça va faire trop ça. Follow the Morse call.
Merci Zed le Magnifique pour les 8 mois. The carving begins. And you. Allez, on y va à fond sur les tours de défense. T'arrives ? Ah voilà. C'était con, ils étaient pas tournés dans le bon sens, idiot. Ils étaient au bon endroit mais pas dans le bon sens, c'est malin, du coup ils pourront pas tirer. Un peu tard. C'est un peu tard, tant pis. Oh! Crash plomb, bordel. Ok, claque ça toi. Faut sortir, faut sortir. Ok, il est dessus. Toi, là-bas. Ouch. Ah la vache, mais crash plomb, c'était vraiment pas une bonne idée de les mettre comme ça. Là, ils sont dans une boucle infernale, ils sont attaqués par tout ce qui peut passer. On garde pour plus tard. Ok. Dans ceux-là, je peux les renvoyer. When do we eat? Iron guts! Tribe on the move! Vaut mieux qu'elle soit bien blindée la zone ici. Slice the meat! Slaughter! Iron fist! Ok, bon. Voilà, les crash plans sont en train de régén. Voilà, là c'est placé correctement. Ça me permettra au moins pour les vagues d'après d'avoir le truc bien mis. Ok. Ok, c'est juste cette unité là qu'il faut finir, je crois. Ouais. Ok, elle est morte.
Alors, je vais rester avec... Un peu fort. Je vais rester avec les broyeurs ici. On va les amener là. On va avancer avec Scrag. Enfin, tous les persos, de toute façon. Tous ces ventres durs là. Les Mastorok. Eux, ils vont rester là. Une unité ici, une unité qui reste ici. Ok. Toutes les tours sont au niveau 4, c'est bon. Déjà rien que ça, ça défonce pas mal. Faudra juste recharger les crash-plombs en munitions constamment. Ok. Allez, les trois Mastorok, vous allez au centre. Je sais pas exactement ce que je vais utiliser comme magie, mais je vais l'utiliser en tout cas. Ce sera bien pour pouvoir détruire les blobs rapidement quand il en arrivera. Ok, ici ça va... Déjà pour qu'ils puissent défoncer tout ça, ça va pas être facile pour eux. Hein. Alors ici j'ai quoi? Ah, une unité de crash plomb que je peux quand même mettre comme ça. Quelques cannibales. Ok, là ça commence. The ultimate hunter. Godmouth's request. Lead belchers. Shrewd. Wind supper. Chopper of entrails. Alors déjà. Il est débuffé avec ça bien comme il faut. Ça peut aider. Il a besoin de soins. Il y a un Mastorok là qui pourrait en avoir besoin. Alors ensuite. Bien, si je mets un gros buff sur un Mastorok. Et puis t'y vas à fond. Et puis on augmente de 42 mêlées aussi. Comme ça, il va envoyer des méga patates. Et vas-y, tape. Ah, mais tape. Ok, ici c'est pas trop mal mis, hein. Non mais vraiment? Ah! Évidemment. Ça va être long. Leg
Belchers. Qu'est-ce que je peux avoir ici? Ok. Oh, c'est long. Bon, les broyeurs, ils ont pas trop besoin de bouger par contre. Du debuff. Ouais. The endless hunger. Scrag, the slower. Attention, là, il y a Scrag qui souffre un peu. Win, Zappa. Take it all. Peut-être. Non, on va économiser là. Oh merde! Non, 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 non! Take it all. Ça tank, ça tank! Merci à Dovicarus pour les 1500 bits. Récompense bien méritée pour cette campagne de l'improbable. L'improbable, l'impossible. Rarement une campagne aura été aussi improbable, je te l'accorde. Défaite assurée au tour 15 et finalement une victoire au tour 300, je sais pas combien. Bah non, pas 300. 200 et des. Embêtant ce, par rapport à mes crashs plombs ceux-là. Il y a les porte-peste exaltés qui m'embêtent. Je vais essayer de forcer le passage. Ah non, ou alors je fais ça. Voilà, ce sera mieux. Ok, ça tombe. Il est derrière. Il est derrière. Voilà. Limite je le laisse avec Non alors, on va aller chercher au corps à corps. My next trophy. All prey is doomed. Guts out, boys. Ok, les crashs. Les crash plombs sont quand même dans la sauce. Je vais pouvoir les sortir de là, je pense. Malgré tout. Là, faut que je laisse mes points augmenter, par contre. Hop. Ici, ça tient tout seul, hein. Une fois que les 4 tours sont posés, franchement ça tient de ouf. Hein. Envoyez ceux-là. Crash plomb, vous récupérez les munes. Les lance-ferrailles aussi. Et là maintenant, c'est l'heure de la subtilité! Voice of the Moon!
Sovereign of the Moor. The right of Sloa. Okay, Nate Butcher. Et bien mal lui. Il y a énormément d'unités qui n'arrivent pas à taper de toute façon. On va forcer le passage avec certaines. Merci Wally Spectre pour les 4 mois. Ouais, ça vaut la peine d'aller le chercher par contre. Lui il me fait des bons dégâts anti-large. Des familles. Voilà. Au corps à corps, ça fait quand même moi le malin. Les animations des Mastorok les rendent pas très efficaces contre des cibles uniques. Hein. Vous avez vu le simple fait que le truc passe légèrement sur le côté et le Mastorok il était déjà en train de galérer. Il avait pas désactivé le mode guerre. Dans de l'infanterie, en fait, il se tourne un peu et il trouve une autre cible et il met des grands coups de corne à travers tout et de toute façon, il va toucher des... Quoi qu'il arrive, il va vraiment toucher les unités d'infanterie et leur faire mal, quoi. Ok, là-bas, ça se passe bien. Ok. Alors le soigner lui. En profiter pour remettre des vents de magie à fond. Alors. Là, il faut vraiment mettre la max. Avec les tours de ce côté pour les renforts. Ok. Ici, on va quand même faire venir. Des Mastorok de plus. Vu tout ce qui va nous arriver sur la tronche, je vais quand même renvoyer certaines unités. Ouais, tout ça, ça doit... Non ! Il m'a popé dessus lui directement. The ultimate hunter. I seek meat. Devour them. Broyeur à armes lourdes, hein, mine de rien, c'est anti-large. Enfin, ils ont un bonus anti-large. De toute façon, ils font des gros dégâts sur tout. Mais ils ont en plus un petit bonus anti-large. Devrait être pas mal. Notre ami Bellacor est là-bas. On va le debuff autant qu'on peut. Par contre, je sais pas trop comment... Comment lui faire max dégâts? Il va être long à tuer de toute façon. Je vais essayer de prioriser les... En fait, je vais essayer de le mettre au corps à corps avec les broyeurs.
Il y a encore des tours à mettre? Non, tout est mis. Oh, les salauds, ils me la pètent! Ah, voilà, ok. Plutôt prioriser dans les troupes alors. Allez, plus d'attaque. Non, ça on va la garder pour plus tard. Ok, les broyeurs à armes lourdes arrivent. Du debuff. Ok, ça gratte, ça gratte. Il se passe quoi de l'autre côté? Oh, comme ils tiennent eux. Ah, mais ils tiennent plus. When do we eat? This way! Ok, allez, tenez bon! Scribe, the slower! Allez, avec les points, faut vraiment faire venir tout le temps, tout le temps. C'est quoi comme broyeur d'âme? Corne. Allez, envoie ton javelot magique. Broyeur sur bel accord, broyeur sur bel accord. Des buffs encore. Ouh, faut des renforts. Ouh, faut des renforts. Yes. Y'a quoi là-dedans? Allez. Au centre, au centre. Comment ça il fuit mon truc? Heureusement. Je pense que c'est le moment d'une petite gueule là. Mais l'accord est en train de mourir. Allez, bourrez-les! Ok. Allez, débuff tout le monde. Allez, une fois bel accord tombé. Dégagez-vous. Oh, c'est chaud. Oh, ça tire, ça tire, ça tire encore ici. Hein. Ah, ils ont bien mérité un petit bonus d'armure, tout cela. Ah, ça finissait pas de se construire parce que l'unité était trop proche. Ok, comment ça se passe? Mais la corde est tombée!
Est-ce qu'il reste 25%? Ouah, sors de là, Minotaur, arme lourde! Par contre, ceux-là, je veux pas qu'ils me tirent dessus, ça m'énerve. Non, 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 non! Oh, ça tient, ça tient, ça tient! Bourrez, bourrez le centre! Oui, oui, c'est à nouveau en ma faveur! Allez, bourrez le centre, bourrez le centre, bourrez le centre! C'est bon, je le récupère. Oh, 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 j'ai mal. Allez, on le sécurise, on le sécurise. Ok. Encore qu'est-ce qui reste? Il y a encore ces deux là. C'est... Ah ouais, bah tout ça. Là, ok. Bon, Scrag, il va aller se reformer là parce que je le sens pas, lui aussi. Ouais, les trois persos en fait. Il va juste falloir des renforts ici. Ah lui il peut pas déjà. Essaye de sortir de là. Allez go. Il peut récupérer un peu de vie lui, ouais. Horreur exaltée, vas-y défonce-les. Mais c'est pas filé celui-là. Attends quoi, il a fondu? Il est parti? Ah là, celui-là il meurt. Celui-là il va mourir. Ah, il a pas réussi à repartir lui, finalement. Ah oui d'accord, il était parti jusque là-bas. Allez, bourrez-le. Master Seeker. My next trophy. Ah ouais, Scrag il coûte cher pour pouvoir revenir par contre. Ça le soigne entièrement mais il est cher. Je pensais pas qu'on arriverait à finir cette campagne aujourd'hui. Je pensais déjà pas qu'on arriverait à la finir tout court. Mais alors en plus aujourd'hui... Alors ça c'est ouf. Il reste 2%, c'est qui? Oui, bonjour. Attends, ça vient de popper? Mais non. Ok. Oh les FPS. Les FPS qui s'écroulent ici. Excellent.
trop compris. Pas vu de différence. Bah si, à un moment quand j'ai tourné la caméra, je sais pas, ça a saccadé un coup. Il reste 1%. 1%? Et il est où ce pourcent là? Il y aurait quelque chose ici? Non. Non, j'en vois aucune. Ah si, là! Ah ça y est, il est mort. Ça y est, il est mort. Merci les miches pour les 15 mois tiers 2. Merci beaucoup. C'est bon, il est mort. C'est bon, il est mort. C'est fini. C'est fini. Quelle campagne. J'ai fait assez de campagnes de course aux âmes comme ça, je trouve. Là maintenant, on verra le patch. On verra le patch. Par contre, ce qui est cool, c'est que du coup, la campagne est finie avant l'arrivée du patch. Ça, c'est bien. Le timing est impeccable pour pouvoir reprendre, une nouvelle campagne. Merci Carlos Magnus pour les 5 subs. A battle to draw the gaze of the gods. Non, mange le vieux conseiller. All breathe a sigh of relief, for Bellacor is vanquished. Godhood is lost. As was foretold, shackled within the depths of the forge was the body of Ursa, the once mighty god of Kislev. The prophet of the Great Maw stands before a lifeless god. The divine corpse still fresh to butcher. An ogre's greatest desire, god flesh, the meat of meats. Once the tribe have gorged, Ursan's remains will be fed to the Great Maw. Respite from the eternal gnawing hunger. One drop of Ursan's blood was enough to break my curse. The taint purged from the Tome of Fates. Now it is mine to command. A pure white crow, the lone witness to my ascension. Come, little one. What fate awaits us? Oui. Argent bien investi, merci beaucoup pour votre quoi? Dédication, monsieur le président. Avec plaisir, Aurel. C'est vrai que tu avais fait ce qu'il fallait pour que ce soit... cette campagne. Oh oui. Oh. Incroyable quand même. Hey, cette campagne, elle nous aura fait passer par toutes les étapes, par toutes les cases émotionnelles. Le désespoir. Le désespoir. Mais ensuite, retournement de situation. La résignation, la haine. Avec autant de colonies au départ qu'à l'arrivée, oui c'est vrai. Mais bah, ça montre encore une fois que cette campagne-là, bordel, ça sert à rien de s'étaler avec son territoire. Hein. Il suffit de se mettre en... enfin, de rester sur sa colonie de base, et puis voilà, on fait la course aux âmes, et puis voilà, et si j'avais fait ça dès le début, la campagne aurait été finie 150 tours plus tôt.
Campagne qui prouve qu'un territoire énorme ne sert à rien. Non, que c'est même punitif. C'est même punitif. En fait, le territoire énorme t'empêche d'avancer. Les 5 étapes du deuil. Ah mais c'était incroyable quand même. T'avais combien de provinces? Une demi. Elle était quand même incroyable cette campagne. Je suis heureux de l'avoir vécu avec vous. Voilà. Ce sera mon mot de la fin. Il fallait qu'on vive ça ensemble un jour. Mais plus jamais. Mais franchement, c'était terrible. C'était très très bien. C'était très très bien à découvrir avec vous, à partager. Après, avec les autres factions, t'as pas besoin de territoire pour soutenir tes armées. Tu as besoin de territoire pour soutenir tes armées. Ça dépend parce que c'est tellement rentable les batailles dans le 3 que pas tout à fait, franchement. Étonnamment pour une campagne. Oh, le fion a servi tout autant que la gueule. Une date annoncée pour le patch? Oui, oui, ils ont confirmé que c'était pour le 5. Ça arrive mardi prochain. Regardez ce territoire. Regardez ce territoire. Mais regardez ça, il y a un moment. Il y a eu un moment. On s'est retrouvé. Regardez ça. Là, c'est le moment où j'ai tout perdu. Je me suis retrouvé à ce moment-là avec... Attends, c'est à moi, ça? Oui, c'est à moi, ça. C'est moi. Je me suis retrouvé avec ça. Et puis après, on est reparti. Oh là là. Tellement n'importe quoi. Je suis allé rechercher les montagnes. Voilà ce qui... Eh ben, il me restait une région. Il me restait une région à la fin. Et il m'en fallait pas plus. Incroyable. 262 tours qui sonnent la fin de cette campagne YouTube. Un plaisir d'avoir partagé ça avec vous. À très bientôt. Des bisous. Prochaine campagne, ce sera sur le patch du coup.